La compensation écologique correspond aux actions qu'on réalise en faveur de la biodiversité pour contrebalancer des impacts négatifs qui ont lieu sur cette biodiversité. Elle peut concerner deux situations. La première est le cas de dommages accidentels, notamment liés à des pollutions. Dans ce cas, on va réaliser une compensation après le dommage. Il y a aussi... Les compensations au titre de la réglementation sur les dommages autorisés. Dans ce cas, l'impact est autorisé, mais il est conditionné par la réalisation de mesures compensatoires. C'est le cas dans la loi sur l'eau, Natura 2000, la loi sur les espèces protégées. Et le plus souvent, il s'agit d'impacts liés à l'aménagement du territoire, routes, urbanisme et ce type d'infrastructures. Pour évaluer la qualité des mesures compensatoires, on a un certain nombre de critères sur lesquels je vais revenir maintenant. La faisabilité écologique tout d'abord. Pour évaluer la faisabilité écologique d'une mesure compensatoire, il s'agit tout d'abord d'évaluer la nature de l'impact. En effet, l'impact peut avoir eu lieu sur des milieux déjà dégradés, auquel cas la compensation pourra être moins exigeante. En revanche, s'il s'agit de milieux qui sont en très bonne qualité, la compensation évidemment sera plus exigeante. Il y a aussi la question de l'irréversibilité des impacts. Si les impacts sont irréversibles, évidemment la compensation doit elle aussi être définitive. La nature de l'impact joue un rôle important et tout cela doit permettre d'établir finalement une frontière à la compensation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est autorisé. Justement, concernant les compensations, le point essentiel est de savoir qu'est-ce que l'on sait faire aujourd'hui en matière de restauration écologique. Évidemment, on ne sait pas tout restaurer. Certains habitats sont aujourd'hui assez bien connus et peuvent euh, bénéficier d'actions euh, qui vont générer des effets positifs, d'autres beaucoup moins. Ce qu'on constate aujourd'hui dans la littérature, c'est que les niveaux d'efficacité de, de la restauration écologique atteignent à peu près entre 75 et 80% d'un état naturel. C'est-à-dire que par rapport à un état dégradé, on va réussir à récupérer jusqu'à 70 à 80% vis-à-vis -vis, euh, au regard d'un référentiel d'état naturel. Euh, efficacité dépend beaucoup de plusieurs paramètres. Un des paramètres essentiels, c'est la taille des actions de restauration écologique. Comme on le voit sur la figure, à partir de 100 hectares, pour la restauration de zones humides, on va retrouver des, une efficacité très forte. En revanche, si on est sur des petites surfaces, autour de 1 hectare, l'efficacité de la restauration écologique des zones humides est très faible. Maintenant, quand on veut évaluer cette efficacité, comment le faire Alors, on doit avoir plutôt recours à des approches multi, multicritères. Pourquoi Parce qu'en fait, si on s'intéresse à un indicateur de biodiversité animale, de biodiversité végétale ou de fonctionnalité des écosystèmes, on n'aura pas les mêmes réponses, les mêmes résultats. Il faut donc combiner ces différents indicateurs pour avoir une vision d'ensemble des effets de la restauration écologique. On le voit sur la figure, il y a des différences très importantes en matière de réponse et de temps de réponse des écosystèmes selon les indicateurs que l'on choisit. Des points essentiels maintenant pour évaluer la qualité des mesures compensatoires concernent l'additionnalité, la pérennité des gains et l'équivalence écologique. Pour bien comprendre cela, il est intéressant de revenir sur la manière dont on peut réaliser aujourd'hui les mesures compensatoires, aussi bien en France qu'à l'étranger. Une première manière de faire, c'est les actions de préservation. Il s'agit là de protéger finalement un habitat qui serait menacé. Dans la figure ici, en vert clair, on a les zones humides, en vert foncé, on... On représente un, un autre écosystème naturel comme une forêt par exemple, et en rouge des écosystèmes artificiels, artificialisés. Donc, si je reviens à cette figure, la préservation, c'est simplement protéger un espace de zone humide. Là, il n'y a pas de gain écologique, il n'y a pas non plus de gain surfacique. Une deuxième manière de faire, c'est de réaliser des actions d'amélioration. Il s'agit là d'améliorer la qualité d'un flux qui peut avoir des effets négatifs sur l'écosystème aquatique. Donc, il peut s'agir par exemple de... Mettre en place une station d'épuration pour limiter les polluants ou de limiter euh, l'invasion d'une espèce sur la zone. On a un gain fonctionnel, un gain euh, en termes écologiques, mais pas surfacique. Une action de création revient quant à elle à transformer un écosystème naturel par un autre écosystème naturel. Dans notre exemple, il s'agirait finalement de remplacer une partie de zones forestière par des zones humides en considérant qu'elles ont de plus de valeur pour différentes raisons. C'est évidemment beaucoup discuté parce que la légitimité à transformer un habitat naturel par un autre habitat naturel ne, ne va pas de soi. Et finalement, la seule action qui génère véritablement des gains écologiques et surfaciques, eh c'est l'action de restauration écologique, qui nécessite de transformer des zones artificielles en zones naturelles. C'est vraiment à partir de ces éléments-là qu'on peut qualifier l'additionnalité des actions de compensation, mais aussi l'équivalence par rapport à des impacts réalisés. Il est aussi nécessaire de pouvoir prendre en compte euh, la séquence à partir de laquelle on va pouvoir délivrer des autorisations d'impact. En effet, idéalement, il faudrait que l'autorisation soit totalement conditionné par les résultats de l'action écologique, de l'action de compensation. Comme on le voit sur cette figure, on peut démontrer par exemple qu'au bout d'un certain nombre d'années, on va avoir des résultats euh, écologiques concernant les fonctions écologiques de l'écosystème, la présence de certaines espèces, l'absence d'espèces invasives, etc. Et donc c'est au fil de ces résultats qu'on devrait donner les autorisations, et non pas donner des autorisations sous condition de compensation qui pourraient avoir lieu après. Il y a donc cet, un enjeu d'anticipation. Il y a aussi un enjeu de mutualisation. Si on prend euh, sur cette figure la partie gauche, on voit que dans le cas classique euh, des mesures compensatoires, l'administration, le régulateur va demander au développeur de réaliser des mesures compensatoires lui-même. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'il va trouver des zones qui sont dégradées et faire des, des actions de restauration écologique à proximité du lieu d'impact. Ce, cette méthode a deux inconvénients. Le premier, c'est que pour l'administration, cela nécessite de, con de contrôler beaucoup d'acteurs. Et puis le deuxième effet négatif, c'est euh, un effet timbre poste cest C'est-à-dire que comme on a plein de petites actions de, de compensation qui sont euh, réalisées de manière euh, non connectée, eh bien euh, tout ça est, est Très peu efficace. Sur la partie droite, on a euh, le recours à ce qu'on appelle un système de site naturel de compensation qui vise finalement à réaliser des, des actions de restauration sur des plus grandes surfaces. Dans ce cas, l'administration va demander au développeur non pas de réaliser lui-même la compensation, mais d'acheter des droits de compensation à un autre acteur qu'on appelle ici sponsor de compensation, qu'on pourrait appeler aussi opérateur de compensation. Et cet opérateur de compensation, finalement, va réaliser des actions de restauration écologique sur des plus grandes surfaces. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que c'est plus facile à contrôler pour l'administration. Il n'a plus qu'un seul acteur à aller les voir. Et par ailleurs, il va y avoir aussi des plus grandes surfaces, d'où une plus grande efficacité dans l'action de restauration écologique. Un dernier point essentiel, un avant-dernier point essentiel est la proximité spatiale. En effet, les mesures compensatoires n'ont pas lieu exactement sur le même lieu, en particulier lorsqu'il y a des actions de mutualisation. On voit sur cette figure que les distances moyennes sont autour de 10 à 20 km entre la zone d'impact et la zone de compensation. Peut-être que d'un point de vue écologique, ça peut se justifier, mais d'un point de vue social, en tout état de cause, ce ne seront pas les mêmes populations qui auront subi l'impact et celles qui bénéficieront des actions de restauration écologique. Ça pose donc des questions. Et d'un point de vue écologique aussi, on peut s'interroger parfois sur ces distances. Vous voyez ici dans cette figure... C'est une description des zones d'impact et des zones de compensation dans un État euh, des États-Unis, euh, en Caroline du Nord, et on voit bien les distances hein, entre ces zones d'impact et de compensation et donc la redistribution générée par ce type d'action. Finalement, un dernier critère essentiel est la présence d'une autorité environnementale indépendante. Aujourd'hui, en France, on manque encore d'une autorité environnementale qui soit complètement déconnectée des acteurs. Euh, politique du territoire et c'est un élément pourtant essentiel pour avoir une validation des enjeux écologiques associés aux mesures compensatoires.